pour ce deuxième webinaire « Optimiser l'impact de vos aliments sur la santé des consommateurs ». Pour mémoire, ce webinaire fait partie d'une conférence qui est organisée par Cap Aliments dans le cadre du programme RFI Food for Tomorrow, dont le directeur Oscar Castellani vous dira quelques mots en conclusion de ce webinaire. On est sur la deuxième session, donc sur la thématique alimentation-santé, et je tenais tout d'abord à remercier vivement nos trois intervenants, Claire Berton-Carabin, Hervé Prévost et Chloé Thomas, donc, qui vont dans un premier temps nous parler de leviers et de solutions pour améliorer la qualité, santé, nutrition des aliments et puis aussi comment intégrer le consommateur dans le processus d'innovation pour des produits plus sains. Et juste, vous me direz hein, quand vous verrez la présentation. C'est parfait. C'est parfait? D'accord, très bien. Merci. Ben, tout d'abord, bonjour à tous et puis ben, je tiens à remercier les organisateurs de ce colloque pour m'avoir invité à présenter mon travail et aussi les perspectives que j'envisage hein, dans cette thématique qui est effectivement très intéressante. Donc, j'ai intitulé ma présentation aujourd'hui « Vers des émulsions alimentaires saines, durables et stables ». Donc, je vais essayer de vous donner une vue d'ensemble eh bien, de ce thème que sont les émulsions alimentaires, quelles sont les tendances actuelles. Et puis, je donnerai quelques exemples de travaux que j'ai réalisés dans ce cadre-là, notamment des travaux récents au cours de ces dernières années. Donc, juste quelques mots hein, pour me présenter. Je m'appelle donc Claire Berton-Carabin. Je suis depuis le mois de mai directrice de recherche à INRAE au sein de l'unité BIA qui est donc localisée principalement à Nantes. Et avant de rejoindre INRAE, j'ai été pendant 7 ans maître de conférence à l'université de Wageningen aux Pays-Bas. Et j'ai aussi gardé d'ailleurs une co-affiliation avec cette université depuis mon retour. Donc, concernant le contexte très global hein, autour de cette présentation, je pense que nombre d'entre vous savent que dans beaucoup d'aliments, les lipides sont dispersés sous forme de gouttelettes. Ce sont donc des émulsions huile d'en haut. On a donc un très vaste panel d'aliments qui vont présenter ce type de structure avec des gouttelettes lipidiques dispersées dans une phase aqueuse. Donc, on va penser évidemment à tout ce qui va être produits laitiers, mayonnaise, vinaigrette. Et puis, on a aussi des émulsions qui sont séchées, par exemple les formules infantiles. Donc, ça représente une très large gamme de produits. Et donc, les émulsions sont de bons systèmes modèles lorsque l'on cherche à comprendre les paramètres qui vont contrôler leur stabilité physique et leur stabilité chimique. Donc, si l'on regarde un petit peu plus près à quoi ressemblent ces systèmes, on a donc des gouttelettes d'huile qui sont dispersées dans une phase aqueuse, avec des tailles de gouttelettes qui sont très variables, souvent polydisperses d'ailleurs dans les émulsions alimentaires, hein, avec des tailles qui sont de l'ordre parfois en dessous du micron, parfois de plusieurs dizaines ou centaines de microns. Et puis, entre ces deux phases, on a donc l'interface huile-eau, qui doit être stabilisée physiquement par des émulsifiants. On a différentes catégories d'émulsifiants. Donc les classiques, on va dire, sont d'une part les tensioactifs, d'autre part les biopolymères amphiphiles qui sont beaucoup en alimentaire représentés par les protéines. Et il est également possible de stabiliser physiquement des émulsions avec des particules solides ou semi-solides et pour former ce que l'on appelle des émulsions de Pickering. J'y reviendrai parce que c'est une tendance qui est en plein boom dans le secteur alimentaire avec de nombreuses particules biosourcées ou en tout cas composées d'ingrédients alimentaires qui peuvent être utilisés pour stabiliser physiquement de tels systèmes, avec l'idée bien, parfois de s'affranchir de l'utilisation de ces émulsifiants classiques. Et puis, ce que j'aime toujours rappeler lorsque je parle d'émulsion, c'est que bien sûr, lorsqu'on parle d'émulsion émulsifiant, on pense à ceux qui sont localisés à l'interface, mais dans la plupart des notamment des formulations alimentaires, eh bien, seule une petite ou en tout cas fraction modérée des émulsifiants est effectivement localisé à l'interface. On en a aussi beaucoup qui restent généralement dans la phase continue de l'émulsion, donc en excès, des émulsifiants non absorbés en excès. Et c'est un aspect aussi sur lequel j'ai travaillé pas mal au cours de ces dernières années, sur la compréhension de en quoi cette fraction non absorbée peut avoir des conséquences importantes pour la stabilité physique et oxydative des émulsions.
En parlant d'instabilité, effectivement, le problème avec ces émulsions alimentaires, c'est que ce sont des systèmes qui sont au mieux métastables, mais qui peuvent être soumis à différents types de déstabilisation. Une déstabilisation physique, d'autre part, c'est donc un système qui n'est pas à l'équilibre thermodynamique et qui va donc tendre à se déstabiliser dans le temps avec des phénomènes de flocculation, des phénomènes de coalescence, voire une séparation complète de l'huile et de l'eau qui peut aussi survenir. Et donc, tout ça va être. Ce sont des phénomènes qui sont généralement que l'on cherche à éviter, puisque ça va conduire à des problèmes d'apparence, de texture et, in fine, à une destruction complète de l'émulsion. Donc, il est important de bien comprendre les propriétés de ces émulsions pour contrôler leur stabilité physique, au moins pendant une période raisonnable par rapport à la durée de vie du produit. Et puis, d'autre part, surtout lorsqu'on s'intéresse à cette phase lipidique, qui contient souvent des acides gras polyinsaturés, on peut avoir une déstabilisation chimique ou oxydative de cette phase lipidique. L'oxydation des lipides, c'est un aspect sur lequel j'ai beaucoup travaillé depuis ma thèse. Donc, lorsqu'on essaye d'avoir des acides gras polyinsaturés dans ces émulsions, donc qui ont des bénéfices santé, et ça a été évoqué et débattu d'ailleurs la semaine dernière, eh bien, on peut avoir des problèmes liés à l'oxydation de ces acides gras, car ils y sont particulièrement sensibles, ce qui va dégrader la qualité sensorielle de la matrice. C'est donc un gros problème actuellement pour les industriels. Et il est assez bien reconnu que ces phénomènes d'oxydation sont initiés à l'interface huile-eau, puisque souvent, en fait, nombre d'espèces pro-oxydantes sont localisées dans la phase aqueuse, des radicaux libres, par exemple, ou des ions métalliques. Et l'interface va être donc la zone de contact entre ces espèces pro-oxydantes et les substrats de l'oxydation, donc les lipides insaturés. Et puis, par ailleurs, je ne vais pas m'attarder énormément sur ce point dans la présentation d'aujourd'hui, mais il faut quand même évidemment tenir compte du fait que les émulsions alimentaires, eh bien le devenir final, ça va être leur digestion dans le tractus gastro-intestinal. Et donc, là encore, c'est au niveau de l'interface que la digestion des lipides va être initiée, puisque là encore, les molécules lipolytiques, donc les lipases, les sels biliaires, sont présentes dans la phase aqueuse et elles vont venir au contact du substrat lipidique, les triglycérides de l'huile, une fois encore au niveau de cette interface. Donc là encore, comprendre l'interface, ça va permettre de comprendre et contrôler éventuellement ces phénomènes de déstabilisation chimique ou enzymatique des lipides. Par ailleurs, l'interface, effectivement, c'est une zone qui est d'autant plus critique que lorsque l'on crée ces petites gouttelettes, on fabrique, on crée une très grande surface interfaciale. J'aime bien donner cet exemple. Hein. Si on émulsifie 1 litre d'huile et qu'on en fabrique des gouttelettes de 1 micron, donc ça va être c'est une taille relativement petite, mais classique dans les émulsions alimentaires, eh bien on va générer une surface interfaciale de 6000 m², donc la taille plus ou moins d'un stade de football américain, c'est ce qui est représenté sur cette image. Donc, une très grande surface de contact entre la phase aqueuse d'une part et les lipides d'autre part. Alors, ces exemples montrent bien qu'effectivement, comprendre l'organisation de l'interface, ça va être très important pour contrôler les propriétés de ces émulsions, mais ce n'est pas simple à faire en pratique. En particulier dans les émulsions alimentaires, où en fait on utilise rarement des molécules pures, hein. On va utiliser des ingrédients, si on parle de protéines, on va utiliser des concentrats, des isolats, qui vont donc, même un isolat va contenir seulement une fraction de protéines, il y aura toujours aussi une fraction non protéique, et on n'aura pas une protéine pure, mais on aura bien un mélange de différentes protéines en présence. On va avoir aussi une interface, ça ne va pas être un système ou une zone du système qui est figée dans le temps, mais on va avoir possiblement une évolution de cette zone, une réorganisation de l'interface dans le temps, avec des phénomènes de compétition pour l'adsorption, des réorganisations à l'interface, des phénomènes d'adsorption, de désorption pendant l'homogénéisation, après
l'homogénéisation. Dans le cas des protéines, on peut avoir des interactions intermoléculaires protéines-protéines et donc la création d'un réseau à l'interface. Et puis si on a des produits d'oxydation, des produits de digestion des lipides, ils sont plus tensioactifs que les triglycérides de départ. Donc là aussi, ils vont pouvoir venir s'absorber à l'interface au cours du temps. Donc c'est un système qui est très dynamique et qui typiquement n'est pas à l'équilibre thermodynamique. Et puis, ce que je mentionnais aussi brièvement au début, c'est que les molécules qui s'absorbent à l'interface, on a une distribution spatiale de ces molécules, mais elles vont se partager entre les différentes phases du système, notamment la phase continue, la phase aqueuse, et puis l'interface. Donc, au cours de cette présentation, ceci étant dit, pour établir un petit peu des éléments de contexte et vous permettre de bien visualiser ce dont je vais parler par la suite, lorsqu'on parle à présent de rendre ou de tendre vers des émulsions alimentaires qui vont être saines, durables et bien sûr stables, qu'est-ce qu'il est important de considérer aujourd'hui? De la réflexion que j'ai eue au cours de ces dernières années, donc depuis ma thèse, ensuite durant mes années à Wageningen et puis à présent dans le cadre de mon nouveau poste, il est clair qu'il est important d'avoir des apports en lipides qui sont plus équilibrés, avec notamment plus d'acides gras polyinsaturés oméga-3, puisque actuellement l'équilibre entre les oméga-3 et les oméga-6 n'est pas idéal d'un point de vue nutritionnel. Donc apporter davantage de ces acides gras polyinsaturés oméga-3, c'est un aspect qui est très important et il y a eu notamment des recommandations au niveau de l'EFSA au cours de ces dernières années, d'une façon générale, mais aussi concernant certains produits spécifiques, par exemple les formules infantiles, pour augmenter la part de ces acides gras polyinsaturés. Et puis, je pense que vous êtes aussi tous conscients qu'il y a une tendance très importante à utiliser moins d'ingrédients d'origine animale et de les remplacer par des composants d'origine végétale. Et lorsqu'on parle d'émulsion, eh bien, ce qui va être très important, c'est le fait qu'il y a beaucoup d'émulsions, notamment si on pense à toutes les émulsions laitières où l'émulsifiant principal va être les protéines laitières. Et il y a un effort important qui est fait actuellement à utiliser des protéines d'origine végétale à la place de ces protéines laitières, de ces protéines d'origine animale. Et puis, il y a aussi cette tendance du clean label, ce souhait des consommateurs d'avoir des produits qui sont plus naturels, qui va faire qu'on a aussi un contexte qui nous pousse à essayer de formuler des émulsions qui vont comprendre des molécules et des assemblages qui sont naturels et ou biosourcés. Donc, c'est important à prendre en compte lorsqu'on formule des émulsions, mais de tels changements ou de tels critères de formulation vont obligatoirement impacter la stabilité oxydative d'une part et la stabilité physique de ces systèmes. Et donc, ce verrou, ou en tout cas ce défi, est vraiment au cœur des projets de recherche que j'essaye de mener. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, je ne vais pas en parler aujourd'hui, je ne vais pas parler de cet aspect aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui, je pense, doit aussi être au cœur des préoccupations des chercheurs qui travaillent sur la formulation de systèmes alimentaires en lien avec les tendances actuelles. Eh bien, c'est que lorsqu'on utilise des nouveaux composés, notamment des nouveaux assemblages, c'est important de comprendre ce qu'il advient au cours de l'utilisation finale des systèmes, donc au cours de la digestion. Donc, je vais à présent vous présenter quelques exemples de travaux récents que j'ai réalisés avec mes collègues. Et donc, le premier exemple, dans ce contexte de tendre à des émulsions alimentaires saines, durables et stables. Et donc, le premier exemple va être un exemple qui va être assez focalisé sur la protection de ces émulsions contre l'oxydation des lipides par une nouvelle stratégie qui va permettre d'augmenter l'efficacité antioxydante de molécules naturelles. C'est un projet que j'ai développé depuis environ, il a été initié il y a à peu près 5-6 ans. Et l'idée de ce projet, c'était en fait d'utiliser ces particules de picrine que j'ai brièvement évoquées au début de la présentation pour encapsuler des antioxydants naturels qui ne seraient pas spontanément présents à l'interface. Comparé à une émulsion classique, donc avec un émulsifiant type protéine ou ces émulsifiants, donc là,
en l'occurrence, on a considéré un antioxydant liposoluble. On a pris l'alpha-tocophérol comme molécule lipophile, comme antioxydant lipophile modèle. Donc, dans une émulsion classique, cet antioxydant serait plutôt localisé à l'intérieur des gouttelettes lipidiques, donc pas au niveau de l'interface, là où son efficacité serait optimale, puisque c'est là où l'oxydation est initiée. Et donc, l'idée de ce projet, c'était je me suis dit, si on arrive à encapsuler un tel antioxydant dans des particules de picrine, qui vont donc, par définition, être le stabilisant physique de l'émulsion, donc localisé à l'interface, ça pourra permettre d'avoir un antioxydant naturel, pas modifié chimiquement, qui va être dont on va changer la localisation dans le système. Donc, on a utilisé pour ce projet, puisqu'il s'agissait d'un antioxydant lipophile, il fallait donc des particules qui soient plutôt qui soient lipidiques, en tout cas qui permettent de solubiliser des composés lipophiles. Donc, dans la suite de la présentation, elles sont appelées CLPs pour colloidal lipid particles. Ce sont donc des particules lipidiques. Et donc, on les produit en fait en émulsifiant, donc avec un procédé à un homogénéisateur haute pression, une matière grasse à haut point de fusion qui contient donc l'antioxydant, avec une phase aqueuse, une toute petite quantité d'émulsifiant qui est juste nécessaire pour éviter que les particules se déstabilisent physiquement très rapidement. Donc, on émulsifie à chaud. Et ensuite, lorsqu'on refroidit, ça crée donc des toutes petites gouttelettes de cette matière grasse fondue. Et ensuite, en refroidissant la dispersion qu'on obtient, la matière grasse va cristalliser avec l'antioxydant à l'intérieur. Et ensuite, lorsqu'on fait une deuxième émulsification, cette fois-ci dans des conditions plus modérées, avec l'huile qui contient nos acides gras polyinsaturés oméga-3, on obtient une émulsion de picrine. On va donc avoir notre huile liquide qui est avec des gouttelettes qui sont stabilisées physiquement par ces particules lipidiques solides contenant l'antioxydant. Donc, c'était un système. Quand on a commencé ce projet, c'était déjà complètement on n'avait aucune certitude quant au fait qu'on pourrait effectivement stabiliser physiquement des émulsions avec de telles particules. Et en l'occurrence, ça a très bien fonctionné. Donc, on s'est même aperçu que c'était un système qui était plutôt versatile, puisqu'on pouvait fabriquer des grosses gouttelettes d'huile avec des conditions d'homogénéisation très modérées, mais on pouvait aussi fabriquer des gouttelettes d'huile avec des tailles plus petites, de l'ordre du micron ou quelques microns, si on utilisait des conditions d'homogénéisation plus intenses lorsque l'on fabrique l'émulsion de picrine. Donc, la plupart de ces images sont en microscopie avec un filtre en lumière polarisée. Donc, on voit les structures cristallines. Hein. Donc, on voit bien cette couche interfaciale de particules cristallisées qui couvrent nos gouttelettes d'huile liquide. Et c'est même une barrière, c'est typique des émulsions de Pickering, une couche interfaciale qui est mécaniquement très solide, puisqu'on a même parfois cette couche interfaciale est tellement rigide, tellement solide qu'elle empêche la relaxation des gouttelettes d'huile vers une forme sphérique qui serait le cas avec des émulsifiants classiques, bien sûr. Et on a par ailleurs observé qu'on avait une très bonne stabilité physique, donc avec des tailles de gouttelettes qui n'évoluaient pas pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais donc ensuite, bien sûr, on a voulu voir si effectivement d'avoir un antioxydant dans ces particules, ça générait des bénéfices en termes de stabilité oxydative de ces émulsions comparé à une émulsion contrôle avec une structure exactement identique, mais où l'antioxydant était localisé dans le cœur des gouttelettes lipidiques. Et donc, on s'est aperçu qu'effectivement, c'était le cas. Donc là, vous avez ces graphes qui représentent la formation de composés d'oxydation primaire et secondaire au cours de l'incubation de ces émulsions en présence de fer. Et donc, on a vu effectivement qu'on avait moins d'oxydation des lipides dans le système concept, où on avait donc ces particules à l'interface dopées en antioxydants naturels, en alpha-tocophérol. Donc, c'était un constat qui était évidemment très intéressant. Et on a donc voulu comprendre quel était le rôle finalement de cette couche interfaciale protectrice avec l'antioxydant présent à l'interface, puisqu'on a commencé par se dire peut-être que ce qui se passe tout simplement, c'est que le tocophérol, en le mettant à l'interface comme ça, il est en première ligne par rapport aux molécules prooxydantes de la phase aqueuse, et donc il se sacrifie en quelque sorte en premier lieu, au lieu d'avoir les lipides à l'intérieur des gouttelettes qui s'oxydent. Et donc, on a suivi aussi
la dégradation chimique du tocophérol lui-même. Et ce qu'on a vu, et qui était aussi très intéressant pour comprendre les propriétés de ces nouvelles émulsions, c'est que ce n'était pas le cas. En fait, avoir le tocophérol dans ces petites gouttelettes lipidiques, eh bien, ça conduisait aussi à une meilleure stabilité oxydative du tocophérol, donc de l'antioxydant lui-même, comparé au système contrôle, à l'émulsion contrôle. Donc, ce qu'on pense effectivement, c'est que d'avoir ce tocophérol à l'interface, ça permet en fait de bloquer l'initiation de l'oxydation, d'empêcher qu'on ait cette réaction radicalaire en chaîne qui se mette en place avec donc ensuite une propagation de la formation de radicaux. Et donc, ça permet en fait de garder le système stable au niveau oxydatif plus longtemps. Et ce que l'on s'est demandé aussi, on a voulu le vérifier, c'est, d'accord, on met effectivement initialement notre antioxydant lipophile dans les particules, mais est-ce que finalement c'est un système qui est fixe, qui ne change pas au cours du temps, ou est-ce qu'on a une relocalisation progressive du tocophérol au cours du temps? Donc on n'a pas pu observer le tocophérol directement, mais par contre on a utilisé une sonde fluorescente lipophile, donc qu'on a considéré en tant qu'analogue du tocophérol, donc avec des coefficients de partage qui sont très similaires. Et là, on a regardé dans des émulsions où est-ce qu'était localisée cette sonde radicalaire au cours du temps. Et on a vu en effet que, alors certes, dans l'émulsion fraîche, hein, on voit que les gouttelettes sont complètement noires. Et donc, on a nos molécules fluorescentes qui sont bien présentes à l'interface, puis un petit peu dans la phase continue aussi. Et on a vu au cours du temps qu'on avait de plus en plus de gouttelettes lipidiques qui devenaient contaminées par cette couleur verte, ce qui montre en fait qu'on a bien un relargage progressif de l'antioxydant vers le cœur des gouttelettes lipidiques. Donc c'est un système qui évolue au cours du temps. Et ce qu'on arrive à faire dans l'état actuel des choses avec nos fameuses CLPs, c'est de donner un certain temps de résidence à l'antioxydant à l'interface, mais c'est pas un système qui va rester en tant que tel pendant des semaines voire des mois. Donc on est en train de travailler aussi sur le fait qu'il pourrait être intéressant d'allonger peut-être ce temps de résidence pour avoir un effet encore plus prononcé. Donc c'était une preuve de concept très intéressante qu'on a pu établir avec ces CLPs. Mais ce qu'il faut bien noter, et vous l'avez certainement vu lorsque j'ai présenté comment le procédé de fabrication de ces particules, c'est qu'on utilise des molécules, qui sont food grade, mais qui sont très purifiées, qu'on assemble ensuite ensemble par un procédé relativement complexe pour faire des particules qui ont les propriétés désirées. Donc ce qu'on s'est demandé et qui va complètement vers les tendances actuelles, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas identifier des particules ou des assemblages qui existent naturellement et qui répondent aux critères qui nous intéressent, à savoir d'une part des propriétés de stabilisation physique, hein, donc des particules qui peuvent former des émulsions de Pickering, et d'autre part des molécules qui vont avoir intrinsèquement des propriétés antioxydantes. Et donc on a fait un assez gros travail de criblage, hein, avec différentes sources de particules naturelles d'origine végétale. Et là, vous pouvez voir qu'effectivement, on a réussi déjà à former des émulsions de Pickering stables avec certaines d'entre elles, par exemple avec des résidus d'extraction de feuilles d'épinard ou de thé matcha. Et donc là, on a réussi à former des émulsions de Pickering, donc avec certes des gouttelettes relativement grosses pour certaines, mais qui présentait une très bonne stabilité à l'oxydation au cours du temps en comparaison avec deux contrôles avec des tailles de gouttelettes à peu près similaires, donc un avec un tensioactif et l'autre avec de la lécithine d'œuf, qui va être un émulsifiant utilisé dans des applications alimentaires réelles. Effectivement, on s'est aussi rendu compte que la présence de composés antioxydants intrinsèques dans ces fractions était directement liée à leurs propriétés antioxydantes, avec par exemple des polyphénols dans les résidus d'extraction de thé matcha ou des chélatants naturels dans les résidus d'extraction de feuilles d'épinards. Donc c'est un travail qui est en cours, mais je pense vraiment que c'est intéressant de mettre en parallèle la construction de particules avec des propriétés très contrôlées comme on l'a fait pour les CLPs pour bien comprendre ce qui se passe et avoir un système très modèle, mais aussi d'être capable de transférer ces preuves de concept à des particules qui sont biosourcées et naturelles.
Donc voilà pour le premier exemple dont je voulais discuter avec vous. Et j'ai pensé aussi à vous présenter un deuxième exemple de travaux que j'ai réalisé avec mon groupe récemment. Exemple qui va quant à lui plus être orienté vers l'utilisation de fractions protéiques d'origine végétale en tant qu'émulsifiant et l'impact sur la stabilité physique des émulsions. Je pense que c'est effectivement un axe de recherche qui est très important à considérer. Vous êtes certainement conscient du fait qu'il y a un gros travail dans ce domaine de recherche actuellement sur l'identification, enfin sur la caractérisation et l'identification de fractions protéiques d'origine végétale pour des utilisations alimentaires et notamment pour leurs propriétés interfaciales, donc émulsifiantes et moussantes. Au niveau européen, il y a notamment européen, mais aussi même nord-américain, il y a un focus important actuellement sur les protéines de pois. Et c'est la source principale sur laquelle j'ai travaillé jusqu'à présent, même si évidemment il est aussi important de considérer d'autres sources possibles. Avec un panel d'ingrédients qui est large, on peut avoir des isolats, on peut avoir des concentrats. Donc des isolats qui vont être plus dont la pureté en protéines va être plus importante, mais qui vont aussi être plus transformés, qui vont avoir subi des procédés thermomécaniques qui ne sont pas anodins par rapport aux propriétés de ces ingrédients, et qui peuvent d'ailleurs, même s'il y a peu de travaux qui sont en tout cas publiés là-dessus jusqu'à présent, mais qui peuvent aussi avoir un impact assez négatif sur la qualité chimique de départ des ingrédients commerciaux. Et une grande variabilité aussi d'un fournisseur à l'autre, même d'un type d'ingrédient à l'autre. Donc, utiliser des protéines végétales pour faire des émulsions, ça a été ça a été pas mal fait dans la littérature au cours de ces dernières années, notamment avec des isolats, et notamment avec seulement une certaine fraction de ces isolats. Mais là où on a davantage travaillé dans mon groupe au cours de ces dernières années, c'était sur le comportement à l'interface de protéines de pois dans des émulsions complexes, donc par exemple en mélange avec des protéines laitières, puisque finalement, pour certains industriels, en tout cas, ça peut être très intéressant de ne pas passer à du tout végétal, mais d'utiliser les protéines végétales en tant que co-ingrédients. Mais qu'advient-il notamment au niveau des propriétés de stabilisation physique de ces systèmes lorsqu'on les utilise en mélange? Mais finalement, il n'y avait pas de travaux qui avaient été faits sur ces aspects-là. Et donc, on a travaillé tout d'abord sur des systèmes très, très modèles, avec des protéines laitières modèles, donc soit du caséinate de sodium, soit un isolat de protéines de lactosérum, et des protéines de pois, donc issues d'un isolat. Et on a utilisé, en fait, pour des raisons de compréhension et de contrôle de la complexité du système, on a d'abord commencé par utiliser seulement la fraction soluble de cet isolat à pH neutre. Donc, on a fait on a fabriqué des émulsions dans différentes conditions, donc en variant la concentration totale en protéines, et en variant aussi le type d'émulsifiant, donc soit cette fraction soluble de protéines de pois seules, ou alors des protéines laitières seules, ou alors les mélanges protéines laitières, protéines végétales. Et donc, on a vu lorsqu'on a mesuré la taille des gouttelettes produites lors d'une homogénéisation haute pression, on a vu qu'on avait une tendance assez classique, avec une réduction de la taille des gouttelettes lorsqu'on augmente la concentration en protéines, mais notamment aux concentrations assez faibles, on a vu finalement que lorsqu'on avait les protéines de pois présentes, eh bien, on avait des gouttelettes qui étaient nettement plus grosses, également dans les mélanges, même si ces mélanges étaient présents en même quantité massique. Et ce qu'on a mesuré aussi, ça c'est quelque chose qu'on a mesuré assez systématiquement dans ces émulsions, eh bien, c'est la quantité de protéines présentes à l'interface, donc la masse de protéines présentes par mètre carré d'air interfacial. Et donc là encore, on a vu que déjà, ce n'est pas une propriété qui est constante. Plus on met de protéines, plus on en a à l'interface. Donc, ça veut dire qu'on change les propriétés de la couche interfaciale avec des couches qui deviennent plus compactes et ou plus épaisses. Et que c'était aussi avec les protéines de pois qu'on avait, même en utilisant seulement la fraction soluble, qu'on avait les couvertures de surface les plus importantes.
Donc, ce qu'on a vu aussi, c'est que pour une concentration suffisamment importante en protéines, donc là, on a sélectionné 1% dans la phase aqueuse pour des émulsions contenant 10% d'huile, eh bien, on a vu que on arrivait à former des gouttelettes relativement petites, mais que par contre, notamment pour les protéines de pois seules, on avait beaucoup de flocculation au cours du stockage de ces émulsions. Mais par contre, on arrivait à résoudre ce problème dans les mélanges. Donc, je vais, pour des raisons de temps, je ne vais pas pouvoir vous détailler tout ce qu'on a, tous les résultats qu'on a obtenus avec ces systèmes modèles et ces systèmes, notamment ces systèmes mixtes. Mais je pense, enfin, je voulais juste vous expliquer en fait le fait que pour caractériser ces systèmes, on a utilisé une approche qui a consisté à combiner non seulement ce qu'on voit dans les systèmes émulsion en tant que tel, donc là où on a caractérisé effectivement la couverture de surface, la taille des gouttelettes. La stabilité physique, hein, à la coalescence, à la flocculation au cours du temps. On a aussi dans ces systèmes, je ne vais pas le montrer aujourd'hui, mais on a aussi systématiquement caractérisé la composition en protéines au niveau de l'interface. Donc, lorsqu'on utilise un mélange complexe, quelles protéines exactement vont se localiser préférentiellement à l'interface, comment cela change au cours du temps. Mais on a aussi essayé de comprendre l'organisation des interfaces impliquées en utilisant des émulsions modèles dans des systèmes de microfluidique. Et si j'ai le temps, je vais pouvoir vous en dire deux mots rapidement. Et on a aussi beaucoup étudié les propriétés interfaciales et notamment de rhéologie interfaciale de ces mélanges de protéines, de ces protéines et de ces mélanges de protéines en utilisant en fait une gouttelette modèle que l'on peut déformer, ce qui va nous permettre d'avoir des informations sur les propriétés rhéologiques de cette interface. Donc, comme je l'ai dit, s'il me reste encore quelques minutes, je pensais que ça pourrait être intéressant de vous présenter une méthode qui est assez originale dans le domaine, où on utilise en fait un système de microfluidique pour regarder comment différentes protéines, différents émulsifiants d'une façon générale, vont pouvoir stabiliser des gouttelettes d'émulsion contre la coalescence à des échelles de temps très courtes. Donc, ce qu'on fait avec ces systèmes, c'est que l'on a un canal par lequel arrive notre phase aqueuse qui contient la protéine, un canal par lequel arrive l'huile. Donc, on va avoir une formation de gouttelettes qui ont toutes la même taille au niveau de à la jonction entre ces deux canaux. Et on a ensuite, l'émulsion va ensuite, les gouttelettes ainsi formées vont ensuite voyager dans ce petit canal avant de rentrer dans un canal plus large qui est donc une chambre de coalescence, qu'on appelle une chambre de coalescence. Et donc, en enregistrant des images des gouttelettes à l'entrée et à la sortie de cette chambre de coalescence, eh bien on va pouvoir comptabiliser le nombre d'événements de coalescence et ainsi caractériser de façon quantitative la propension d'une émulsion à la coalescence. Et donc on peut aussi varier la longueur de ce petit canal avant l'entrée dans la chambre, ce qui va permettre de donner plus ou moins de temps aux protéines pour couvrir les gouttelettes d'émulsion avant leur entrée dans la chambre de coalescence. Et donc, c'est un exemple qui est très parlant ici, où on a comparé la fréquence de coalescence des gouttelettes lorsqu'on utilise des protéines de pois, donc toujours notre fraction soluble uniquement, ou des protéines de lactosérum, en fonction du temps que l'on donne aux protéines pour s'absorber avant l'entrée dans la chambre, donc avec différents designs de ce petit canal juste avant l'entrée dans la chambre. Et donc, je ne vais pas passer trop de temps sur cet exemple, mais ce qui est assez clair, c'est que, en fait, avec des protéines de lactosérum, il en faut beaucoup moins pour avoir une très bonne stabilité à la coalescence, alors que pour les protéines de pois, notamment lorsqu'on laisse peu de temps aux protéines pour couvrir l'interface, eh bien là, en fait, on a une déstabilisation de l'émulsion qui est très, très importante. Et on a fait pareil aussi avec nos mélanges. Donc là, vous voyez exactement les mêmes courbes, c'est-à-dire le nombre d'événements de coalescence en fonction de la concentration en protéines. Et là, pour nos différentes protéines utilisées séparément ou en mélange. Et donc, ce qu'on a vu de façon intéressante, c'est que si on se place à un nombre d'événements de coalescence donné, eh bien, on voit en fait, logiquement, il nous faut beaucoup moins de protéines de lactosérum comparées aux protéines de pois, mais on a aussi une déviation par rapport à la ligne droite qui rejoindrait ces deux points dès qu'on est sur des mélanges, ce qui montre bien en fait qu'une petite fraction de protéines de pois
peut avoir un effet déstabilisant, même donc effectivement présent en faible fraction. Et donc on pense qu'on peut avoir des protéines de poids qui vont avoir un effet, qui vont avoir un effet de pontage entre gouttelettes et qui vont ainsi favoriser leur coalescence. Vous avez une minute à peu près pour le finir. Ben c'est parfait, j'arrive à mes dernières diapos. J'ai celle-là et puis la conclusion. Je vais donc juste la petite réflexion que je voulais avoir ici, c'était le fait que donc là, les travaux que je vous ai présentés, c'est donc effectivement sur un ingrédient qui est déjà assez purifié, un isolat de protéines de poids, duquel on a pris seulement la fraction soluble. Donc c'est en fait une fraction très très limitée de notre si on compare à la source protéique de départ. Mais je pense qu'il est effectivement, il va être aussi intéressant dans le futur de s'intéresser aussi à des ingrédients protéiques d'origine végétale qui sont obtenus par des procédés plus modérés, de façon à avoir des ingrédients qui vont avoir des propriétés en termes de durabilité vraiment supérieures aux protéines d'origine animale classique et avec probablement des meilleures propriétés chimiques et fonctionnelles. Donc pour finir, quelques points importants peut-être à retenir, hein, c'est qu'il est donc évidemment important de considérer les grandes tendances actuelles, notamment le clean label, la transition protéique, pour formuler les émulsions alimentaires de demain, et avec un focus important sur ces apports en lipides et notamment un point d'attention au niveau de ces acides gras polyinsaturés oméga 3 qui doivent être introduits davantage dans ces systèmes. Ce qui va nécessiter donc une revisite des stratégies de formulation. Et ce que je pense, c'est que contrôler la composition des émulsions, ben, finalement, ce n'est pas forcément une direction très prometteuse du fait de toutes les limites qu'on a actuellement. Mais par contre, comprendre et contrôler leur structure de façon à, par exemple, localiser certaines molécules clés à des localisations clés, ça peut être une voie à considérer. Les émulsions de Pickering, c'est une tendance qui est aussi en plein essor et je pense que ce sont des systèmes versatiles avec lesquels on peut faire beaucoup de choses. Et bien sûr, il ne faut pas non plus négliger la digestion, le devenir digestif de ces systèmes, mais c'est un autre sujet. Je vous remercie de votre attention. Je remercie également mes collègues qui ont participé à ce travail. Et puis, si je voulais aussi attirer votre attention sur trois revues qui ont été publiées au cours de ces dernières années, si vous souhaitez en savoir plus sur certains des aspects dont j'ai parlé aujourd'hui. Merci beaucoup.